Stand by, Ziz. Mesdames et messieurs, bienvenue à Lumière et Vérité. Aujourd'hui, on a une belle émission qui vous attend. On accueille une famille exceptionnelle, qui me touche beaucoup. Et dans cette famille-là, il y a un petit ange, un petit miracle même. On vous les présente à l'instant. Voici la famille Thibault. Joanne, Paul, vous aviez une vie normale, paisible, des croyants modèles, on peut le dire. Oh oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on remercie le ciel à chaque soir pour notre belle famille. Et je crois que c'est pour ça que le bon Dieu a donné un don à notre petit Adam. À la maison, en studio, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce petit Adam-là? Adam, parle-nous un peu de ce qui t'est arrivé. Une nuit, je dormais, puis j'ai entendu quelque chose. C'est dur à décrire, comme une voix. J'ai ouvert les yeux, puis là, dans la fenêtre de ma chambre, j'ai vu une grosse lumière. Tellement brillante, je pouvais rien regarder d'autre. J'étais comme attirée par elle. Puis là, j'ai vu. J'ai vu le bon Dieu. Il m'a dit qu'il me donnait un don. Celui de guérir les gens de leurs démons. Il m'a expliqué que la fin approche, puis qu'il va venir chercher ceux qui sont purs, ceux qui se sont libérés de leurs péchés. C'est pour ça que je suis là, pour faire la grande guérison. C'est merveilleux. Adam, ta mère m'a dit que t'as préparé un petit quelque chose avec ton père, juste pour nous. Oui, je vais vous chanter une chanson pour transmettre la dernière nouvelle. En plus d'avoir un don, il chante. Pouvez-vous croire ça, hein? Allez-y, le studio est à vous. Alors, accompagné de son père à la guitare, voici Adam Thibault qui nous interprète « Ne partez pas sans moi ». De nouvelles musiques.
Petit ange à la télévision. Merci, bon Dieu. Oh non, Paul, on va rater le reste de l'émission.